pièce qui s'appelle Là-bas de l'autre côté de l'eau et qui est une grande fresque familiale parce qu'on y sent que la valeur famille pour tous ceux d'Algérie ou qui ont une histoire commune avec ce pays, la valeur famille c'est complètement dingue. Je ne sais pas s'il y a des liens particuliers qui se tissent sur cette terre-là, mais il semble que ce soit le cas. Aussi une très belle histoire d'amour, tout ça sur fond de guerre d'Algérie. C'est une mission un peu pédagogique dont s'est emparé l'auteur qui s'appelle Pierre-Olivier Scotto, grand monsieur de théâtre, hein, donc c'est super validé. Il s'est appuyé sur des dizaines et dizaines, des centaines de témoignages de tous les protagonistes, de tous les points de vue qu'on puisse imaginer autour de cette histoire qui reste si secrète. Et c'est justement toute l'idée de cette pièce, c'est de libérer la parole. Et vous allez voir que c'est une œuvre chorale. Ils sont 12 en plateau. Ça aussi, on peut le saluer parce que par les temps qui courent, peu prennent ce risque-là. Et je vous y emmène, c'est au Théâtre La Bruyère à Paris. Je fais mon départ. Alors, monsieur le directeur, vous le savez bien, ce n'est pas assez. Il nous faudrait quoi? En fait, on est 12 comédiens et c'est une petite organisation. On est proches, mais on aime bien. C'est un peu comme les familles nombreuses, quoi. Tu t'organises pour la douche. C'est vraiment, c'est heure fixe. T'as tes 5 minutes, tu débordes pas, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que l'organisation qu'on crée dans les loges ici, c'est un peu la même qui nous est demandée quand on est sur le plateau. C'est-à-dire, c'est un balai, quoi. C'est une fresque familiale entre des gens qui vivaient ensemble depuis 130 ans et les circonstances politiques et idéologiques ont fait que tout d'un coup, on a dit à ces gens qui s'aimaient, qui travaillaient ensemble, qui s'écoutaient, tout d'un coup, qu'ils étaient plus amis, qu'ils étaient ennemis. C'est une surprise qui chante. J'ai voulu montrer qu'il n'y avait pas de bons ni de méchants, il n'y avait pas de terroristes, il n'y avait que des gens qui souffraient et qui essayaient de s'en sortir. Parce qu'en fait, tous ces gens-là étaient manipulés par le pouvoir politique. Monsieur le directeur de cabinet du Verger, pourriez-vous être plus précis sur notre liberté d'action? Mon colonel, c'est clair. Vous avez les pleins pouvoirs. Ça a été un sujet tabou des deux côtés de la Méditerranée. Moi, d'origine algérienne, quand je demandais à mes grands-parents, c'était un sujet tabou. Et c'est génial de se rendre compte que le théâtre peut permettre ça, de libérer la parole, d'échanger et de penser un peu les plaies, quoi. Moi aussi, je suis vraiment fille de pieds noirs. La famille du côté de mon père est née à Constantine. Mon père y a vécu jusqu'à ses 10 ans. Et il a fallu que je joue dans ce spectacle pour qu'il m'en parle. C'est pas mon père que tu es, Baba. Mon père, c'est pareil. C'est tous les Arabes, les assassins de ton père. Ton Mortar, je lui ai tout donné. De l'affection, de l'éducation, même de l'argent pour sa famille. Et en réponse, qu'est-ce qu'il fait? Il débauche ma fille. Il ne m'a pas débauché. Je sais que ça paraît peut-être naïf, mais si on avait écouté les pieds noirs, si on avait écouté les Algériens, si on s'était mis autour de la table et qu'on avait dit, ben, on va faire quelque chose ensemble, eh ben, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Il parle de naïveté, mais pas du tout. C'est surtout, voilà, on revient aux vrais gens qui ont vraiment vécu cette histoire. Et moi, je trouve que ça devrait être programmé dans toutes les villes de France. Tous les lycéens, tous les écoliers devraient voir ça. Ça ferait sortir pas mal de cadavres du placard. On en parlait pendant le sujet. Eh bien, j'espère que vous serez entendu, Anna. À présent, c'est l'heure du débrief de...